Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un back to school de mon sac pour la rentrée. Mais avant ça, pas attention à ma tronche, je sors de la piscine. Désolée que je n'étais pas très présente parce que j'avais plein de choses à faire et tout. Quand je voulais faire une vidéo, on avait quelque chose à faire, soit on n'avait pas le temps. Enfin bref, voilà. Du coup, je vais vous montrer. Voici mon sac pour la rentrée. C'est un sac Eastpak. Voilà, je voulais avoir un sac Eastpak pour la rentrée. Il est vraiment magnifique. Avec une petite poche sur le côté pour mettre la gourde. Ça, c'est ma gourde, celle de cette année. Après, devant, on a une petite poche, mais j'ai rien mis. Ah, il y a une poche dessus, j'avais même pas vu, attends. Oh, c'est la même poche. Hein. Ah, t'as deux poches là, j'avais même pas vu. Voilà, quand on ouvre, ça donne ça. Voici à l'intérieur. J'ai besoin d'un paquet de mouchoirs. Voilà. Après, pour la rentrée, j'ai le classeur. Ce classeur me suit depuis le CE2. Oui, c'est mon petit classeur favori. Après, un trieur. Après, une pochette plastique comme ça. Faudra juste changer le prénom parce que c'est le prénom de mon frère. Une ardoise. D'où en 6e, t'as besoin d'une ardoise. D'où? Bon, après, c'est un collège privé, alors voilà. Après, un classeur de révision. J'ai pris le bleu, comme d'hab. Un petit truc bidule pour prendre des notes. Voilà. Je pense que cette année, c'est beaucoup bleu. C'est énormément bleu. Un petit truc bidule, je sais pas comment ça s'appelle, pour l'art plastique, pour mettre les pinceaux et tout. L'agenda. Alors l'agenda, j'ai craqué, j'ai pas pu. J'ai pris ce petit agenda, trop mignon. Il est trop mignon, petit chien. Et tous les jours, j'ai des images des animaux, des chiens, des chats, des lapins, des chevaux. Voilà. Je l'ai acheté à Auchan. J'ai galéré à trouver l'agenda que je voulais. Et la trousse, bien évidemment. Je voulais trop que la trousse soit assortie au sac. Du coup, voilà, elle est vraiment magnifique. J'adore la trousse. Je voulais prendre cette forme parce que, voilà. Ce qu'il y a dedans, nous avons un stylo noir friction. Un stylo 4 couleurs. Je mets tout sur le côté. Un taille-crayon, le même que l'année dernière. Un compas bleu, comme ça. Il me faut 4 petits souligneurs, du coup un violet lilas, un jaune, un orange et le dernier, un bleu clair. Après j'ai pris des recharges, une petite gomme friction que j'ai achetée à Cultura. Après, un stylo bleu friction. Ça, je crois que ça, c'est un stylo pour l'art plastique. Ouais, c'est un stylo pour l'art plastique. Après, un stylo vert gomme. Les stylos gomme, j'ai acheté à Cultura. Après, il y en a à Auchan. Un stylo rouge. Une colle. Une gomme et un truc pour l'ardoise et un ciseau, le même que l'année dernière. Je vais essayer, je vais tout remettre dedans. Après, j'ai pas tout fini, mais j'ai le truc, c'est bien. Bon, je vais ranger après. C'est que derrière, t'as une poche comme ça et. Et dans la poche, j'ai mis mon équerre,
Et ma calculatrice, j'ai pas mis dans ma trousse parce que sinon ça fait trop charger. Bon, j'ai tout rangé après parce que là, ça prend du temps à ranger. Ah oui, et dans... il va tomber là. Attends, on va mettre par terre parce qu'il va tomber. Dans cette trousse, du coup, c'est ma mère qui l'a fait. Voilà. Elle n'a pas de site encore, mais enfin, je sais pas, mais je crois pas. Nous avons des crayons de couleur et des feutres. Les feutres, j'ai pris comme ça. Voilà. Classique. Et dans l'autre, nous avons ma peinture. Voilà. Que la boîte est un petit peu cassée. Et après, nous avons des pinceaux. Voilà, je vais pas vous dire tout là. Est-ce que... Allez, voilà. Voilà. Et aussi, ils nous ont demandé un sous-main. J'en ai acheté un autre, même si j'ai ce sous-main-là, le petit lapin. J'ai acheté celui-là, que j'ai acheté à Auchan, avec des petits chatons. Je sais, je suis chelou, mais j'ai donné des prénoms aux chatons. Celui-là, je l'appelais Tintin. Celui-là, je l'appelais Tornicoton. Et celui-là, je l'appelais Taiki. Je sais, je suis chelou, je donne des prénoms à des trucs chelous. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Il manque plus que je range tout. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. En tout cas, ce sac, j'ai pris ce format. Après, j'ai pris ce format un peu plus large pour que les cahiers rentrent. Sinon, bah, y a plus fin. Mais voilà. Et je crois qu'on a fait tout le tour. Voilà. En tout cas, je vous... excuse encore que je n'ai pas fait des vidéos pendant les vacances. Mais parce que je n'avais pas le temps. On avait plein de trucs à faire. C'est bientôt la rentrée. 3 semaines là. Il reste 3 semaines. Je stresse. Je stresse énormément. Bon bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!